Allez geek, nouvelle vidéo, truc de ouf comme d'habitude, et une nouvelle impression 3D. Voilà, là c'est de notre ami Wonder Woman version années 70. Voilà. Alors le socle, je l'ai fait avec une imprimante filaire, une Neptune 3. Et l'impression des parties du corps, je l'ai faite avec une Elegoo Mars 2 Pro. Voilà, très très belle figurine. Avec Wonder Woman, voilà. De la série télé. Voilà, qui était généreusement gâtée par la nature. À une époque où effectivement on pouvait se permettre de coller aux comics. Et voilà, ça a bien changé. Avec voilà maintenant des actrices qui ont tendance à être plutôt filiformes. Voilà Linda Carter. Incroyable actrice. Donc forcément, voilà, je me devais d'avoir au moins une statuette de cette Wonder Woman des origines. Alors la série était quand même très très moyenne. Le pilote était sympa. Après, il faut pas se leurrer. Hein. Les gens à l'époque qui regardaient aussi. Bah parce que c'était une... l'actrice était quand même incroyable. Et dans sa tenue de la saison 2, je crois qu'elle était encore un peu plus sexy. Les gens attendaient qu'elle soit en tenue de Wonder Woman pour se rincer. Rincer les yeux, hein, comme on dit. C'était une icône voilà, de la pop culture. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.